telemi poto pesa sin ya keipo na biso ya honneur ne sengonyos toza ko yamba potre alemanda wazali mote na biso poko alelo to beteli kolo maboko merci. To pamboli nzambe pe to tondie lolenga répondre invitation na biso ya zali responsable ya église cité de merveille pe yende moto zali motei na biso na poko na lelo. Bienvenue une fois de plus. Alléluia. To fandi na kombo na Yesu. Et je voudrais que vous commenciez par saluez votre voisin en mon nom. Et d'une manière générale, nos salutations doivent souvent être accompagnées de bonnes paroles. Parce que nous sommes une source. Tout à l'heure, là, nous avons chanté l'Iziba. Nous également, nous sommes une source. Donc, il y a lieu de bénir quand nous avons de telles occasions. Les bonnes paroles, n'hésitez pas de les prononcer vis-à-vis de vos frères et vis-à-vis de vos sœurs. Amen. Avant de commencer notre intervention de ce soir, nous voulons d'abord rendre grâce au Seigneur qui a permis que ces événements puissent être organisés, garder le peuple de Dieu pendant près d'un mois dans la prière et l'enseignement. C'est une bénédiction. Dieu ne fait rien au hasard. Il avait connu ses temps avant toute chose et ainsi il l'a rendu possible. Nous n'allons pas commencer sans pour autant remercier les hommes de Dieu. Cette église, pour certains, ou du moins pour la plupart ici, je suis nouveau, mais néanmoins avec mes frères jeunes, je ne suis pas nouveau parce que je pourrais dire que c'est la troisième fois qu'on me donne l'occasion de venir dans ce cadre. Ce qui témoigne à la fois la confiance vis-à-vis de tous les collèges des serviteurs pour nous associer à ce genre de travaux et aussi à la fois ce qui prouve que ce que nous avons fait dans le passé a été apprécié avec l'apport du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons venir ce soir pour profiter de ce cadre, de ce temps de prière, dire ce qu'il faut dire. Parce que à l'issue de mon intervention, il va bien falloir que nous puissions prier. Alléluia. Et nous allons exercer la parole à travers la prière qui constitue notre force. Et aussi, nous disons merci à vous qui avez bien voulu accepter, nous écouter. Je ne vous dirai peut-être pas de nouvelles choses, mais je vous dirais plutôt des choses qui cadrent avec la circonstance, alléluia, qui est celle de pouvoir amener le peuple de Dieu dans la prière. Je peux revenir rapidement sur ce qui avait été dit à partir de lundi, parce que lundi moi-même j'étais là, j'ai trouvé le bien-aimé Nico en train de développer le thème « Dieu notre Père ». Et j'avais beaucoup apprécié, il a démontré un peu la manière dont nous devons considérer ce Père-là, éviter que notre considération du Père que nous avons à la maison ou que nous avions connu dans la chair ne puisse affecter la relation que nous devons avoir avec le Père éternel. Et nous avons prié, ce qui était très intéressant. Hier, j'ai dû carrément appeler, parce que je savais déjà quel était le thème, j'ai dû appeler pour savoir qu'est-ce qui avait été dit sous le thème « Je suis celui qui suis ». Et l'homme de Dieu, le pasteur Trésor, a démontré comment celui qui est, qui pouvait dire « Je suis », était Jésus-Christ. Et je crois qu'il est allé loin en démontrant qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Et cela a suffi pour pouvoir prier. Alléluia. Aujourd'hui, notre sous-thème par rapport au thème principal, c'est la divinité de Jésus.
Si je peux me répéter, ou pour le dire peut-être en lingala, ezali bonzambe ya Yesu. Alléluia. La divinité de Jésus. Oui, notre Père, on nous l'a montré. Celui qui suit, celui qui demeure, nous l'avons compris. Mais ici, ensemble, c'est nous comprendre. Dans la divinité de Jésus, quel est notre intérêt? Qu'est-ce que nous gagnons? Nous allons lire un texte. Je vous prierai de rester seulement assis, on va le lire. C'est dans Jean 10. Je vais prendre du 23e, 22e plutôt, au 33e verset. Jean 10. L'évangile selon Jean. Au 10e chapitre. Je vais lire rapidement. Du 22e jusqu'au 33e verset. Nous lisons au nom de Jésus. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Ne nous garde pas comme ça, trop de suspense. Dis-nous seulement la vérité, si tu es le Christ. À Jésus de répondre: je vous l'ai déjà dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça continue. Jésus leur donne, je leur donne la vie nouvelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Si nous considérons que le Père est Dieu, comme lui et moi nous sommes un, en d'autres termes, je suis Dieu. Alléluia. Je continue. Alors les Juifs, écoutez, prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Le Seigneur s'indigne et dit: mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Alors dites-moi, pour laquelle me lapidez-vous? J'ai fait beaucoup de choses ici venant de la part de mon Père. J'ai guéri, j'ai fait la multiplication des pains, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres. Mais là, vous, vous décidez de me lapider. C'est-à-dire, vous prenez les mabanga pour vous me mangaillez. Alors, dites-moi, est-ce que c'est pour l'une des œuvres que j'ai réalisées que vous cherchez à me lapider? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Alléluia. Quand on dit blasphème, on dit insulte à Dieu. Outrage à l'être suprême. On l'a insulté. On l'a dénaturé. On l'a traité de quelqu'un d'autre. On dit: toi, nous cherchons à te lapider à cause du blasphème. Tu te dis: mais alors finalement, c'est quoi le blasphème? Parce que toi, qui es un homme, alléluia, alléluia, parce que toi, qui est un homme, tu t'es fait Dieu. Bénissons la parole de notre Seigneur.
vécu avec les Juifs. Il a fait autant de bonnes choses, des œuvres qui ont fait parler de lui. Si vous lisez dans les Écritures, la Bible dit la renommée parcourait, allait de partout parce qu'il faisait beaucoup de choses. Mais ce jour-là, les Juifs se décident de le lapider. Pour quel motif? Parce que lui qui est un homme, alléluia, lui qui est un homme, selon les Juifs, s'est fait Dieu. Non, 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 ça c'est un sacrilège. Un homme qui s'est dit Dieu. Non, 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 non. Il faut qu'on te lapide. Ça n'a rien à voir avec tes miracles. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait avant. C'est seulement à cause de cela. À cause ya oyo déclaré qu'aux alindambe. Je voudrais bien savoir avec vous. Est-ce que Christ, en disant qu'il était Dieu, est-ce qu'il avait menti? Christ était réellement Dieu. Parce que dans Ésaïe 9, 5, la Bible est claire. Elle nous dit, un enfant un fils nous est né. On l'appellera comment? Vous avez la bonne réponse. Dites-le à haute voix, ça me fera du bien. On l'appellera comment? Comment d'autre? Et quoi encore? Et quoi encore? Dieu puissant. Alléluia. Donc la prophétie par elle-même, pour toute personne avertie, il était déjà au courant que celui qui venait de naître, alléluia, ce jour-là, avec tous les signes qui concordaient à ce qui avait été dit dans la prophétie, il était bel et bien Dieu. Esaïe l'avait déjà dit. Et Christ l'a confirmé lui-même. Il a dit, mon père et moi, nous sommes un. Je suis Dieu. Alléluia. Je le suis. Quand on lui posait la question par la femme samaritaine, Christ a démontré qu'avant qu'Abraham ne soit, moi, j'étais déjà là. Il est réellement Dieu. Et ce soir, nous n'allons parler que de sa divinité. Je voudrais vous poser la question. Est-ce que Christ a intérêt à nous prouver qu'il est Dieu? Pour répondre, Naï. Lui, Christ, qui est Dieu. Est-ce qu'il a intérêt à nous prouver, nous, qu'il est Dieu? Christ n'a pas intérêt à nous prouver, nous, qu'il est Dieu. D'autant plus que pour qu'on soit assis ici, c'est que nous avons commencé d'abord par le reconnaître, nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, balancez vos mains. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour que le pasteur soit là et que le peuple de Dieu soit ici présent, c'est que ce peuple a commencé d'abord par reconnaître qu'il est Dieu. Et ainsi, il l'a accepté, alléluia, comme Seigneur et Sauveur. Il est né de nouveau et il a compris qu'il a affaire à un Sauveur, à un véritable Dieu. Alléluia. Ne me lapidez pas, vous perdez votre temps. Ce qui est dit a été dit. Alléluia. On ne changera pas. Je suis Dieu. Mais moi, je suis l'Église. Moi, je suis peuple des cieux. C'est quoi? Bonzambe na ye, nangai, nakobi kango ndenge, nini. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui dit, écoute, moi, je suis le président, alléluia, de la République. Automatiquement, si lui, il est le président de la République, et que moi, je suis le fils du président, ou le frère au président, ou la femme du président, automatiquement, et Sengelina vivre pour président Yahye. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut que je profite, que je vive la matérialisation de son qui président, na qui président Wana. Moi, je dois vivre cela. Et ici, Christ est Dieu, et nous l'avons certifié. Alors, la divinité de Jésus se révèle aujourd'hui dans notre vie, et nous devons la vivre. Alléluia. Et nous verrons ce soir quelques trois aspects à travers lesquels Christ voudrait que nous puissions vivre sa divinité. Vous avez papa à la maison. Il est colérique. Alléluia. Azamutwa kanda. Kromo wa tomboki nandaku.
soit moi na ba voisin, soit maman moko invita ki ayeki wana ayekota la bino aka moins, parce que azo arrivé par ko reconnaître papa te na eta ou ya kanda wana yo siko yo yeba tata pota mo sozeli papa ou ya yo to mobali na yo, tu lui dis non non, ça il est dans son état de colère. Alléluia. C'est sa colère. Il est en train de démontrer sa colère. Donc, quand il est en train de démontrer, toi, tu l'as vu par des signes. Tu as vu peut-être quelqu'un qui s'est fâché, qui a cassé les chaises, qui a tapé sur les enfants, qui a crié, chose que tu n'avais jamais entendue avant. Tu as vu les signes. Et tu as compris, qui kandana yango. Alléluia. Alléluia. C'est comme quand vous avez un mandona dans le quartier. Quand ce mandona ou cette mandona commence à faire ses incantations, il y a peut-être certains signes ou certains gestes qu'il peut commencer à faire. Alléluia. Et quand il fait ces signes-là, vous dites, bilimanaye, hein, et bandiko sala. Alléluia. Et bandiko sala nini, yestangwe sala ka tout kaka. Alléluia. À ce moment-là, vous comprenez qu'il est en train d'étonner ce qu'ils appellent révélation. Mais ici, moi, je suis chrétien. J'ai un Dieu, alléluia, qui a une certaine divinité. Il faudrait que moi, en tant que Dieu ou fils de Dieu, que je puisse le vivre aussi. Dans le cas d'espèce de Christ, Christ a donné des signes, ou Christ nous a donné des indices, ou Christ nous a donné les éléments à travers lesquels nous devons vivre. Bonzambe naye. Lisons. Jean 17. Chez les Bayembila, vous pouvez lire aussi, non? Chez les Bayembila, je vous aime bien. Vous pouvez me lire aussi un texte? Oui. Jean 17. Nous prenons le 4e au 6e verset. Si tu peux même rester un peu ici, Lucolo, de temps à autre, je vais te demander. Heureusement que tu as un micro. Tiens-toi quand même debout. Nous allons lire. Jean 17. Jean 4 et Jean 17, versets 4 à 7. Hein. J'étais glorifié sous la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, oui, à faire. Voilà. Et maintenant, toi, Père, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu... Non, 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 non. Ils ont gardé la parole. Reviens un peu plus fort au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Stop. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Alléluia. J'étais dans le bureau du pasteur Jean, j'ai vu tout à l'heure un ancien calendrier des années 90 où on met beaucoup des identités, beaucoup de qualificatifs des dieux. El Shaddai, El Jibor, El Nissi, Jéhovah Rapha. Vous connaissez ce calendrier-là? Il est bien gardé dans le bureau du pasteur. C'est un calendrier des années 90. Il était sorti autour de 92-93. Depuis lors, ils ont réussi à sauter. On met un peu différents titres. Non. Ça caractérise l'intervention de l'Éternel dans certaines circonstances. Alléluia. Un jour, Moïse pose la question, mais je vais partir là-bas. Ils me démenteront. Alléluia. Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur dire? On te connaît comme le Dieu d'Abraham, c'est bien beau. Comme le Dieu d'Isaac, c'est bien beau. Comme le Dieu de Jacob, c'est bien beau. Mais ton nom, il leur dit non, va dire. Je suis. Alléluia. Je suis m'a envoyé. Alléluia. Moïse part avec une réponse certaine. Il va dire que je suis m'a envoyé. C'est avec cette réponse qu'il a marché. Mais quand celui qui est, alléluia, a pris la forme humaine, alléluia, est venu dans le monde, il dit lui-même ici que j'ai fait connaître ton nom. Alléluia. À qui? Au peuple que tu m'as donné. Alors, lui là, lui, durant toute sa vie, quel est le nom qu'il a fait connaître?
vous avez la réponse. Dites-le à haute voix. Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il a fait connaître comme nom. Parce qu'on lui posera la question. Mais montre-nous le Père. Montre-le, nous l'a dit. Mais écoutez, durant tout ce temps que je suis avec vous, vous ne me connaissez toujours pas. Aujourd'hui, nous pouvons l'appeler nommément. Alléluia. Nous pouvons, à partir de son nom, vivre les bons âmes. Vous refusez de me yoker. Alléluia. Vous pouvez à partir, non, non, moi et vous, à partir de son nom, nous pouvons vivre et démontrer au monde son bon zambé. Ça se révèle par le nom, pas par autre chose. D'abord par le nom. Il a dit, je veux venir, je veux vous enseigner, je veux vous montrer quelque chose. Alléluia. À l'époque, ils avaient dit, montre-nous à prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, soyez calme, je suis avec vous. Avant que je ne parte, je vous dirai qui est le Père. Alléluia. Et ainsi, à travers ce nom que lui nous a donné, c'est un élément, c'est une garantie avec laquelle je peux vivre Bonzambé. Alléluia. Bonzambé, Babi Bakango, Babi Vakango. Bonzambé, Mamona Kango. Bonzambé, ma démontra Kango. Nous sommes au Mouyemba, la Makawa, lui. Bakoye, Bayon, Dengeninye, Osalin Zambé, Osalak. C'est la grande différence. Il faut qu'on sache. Quand tu es Dieu, tu dois opérer. Quand tu es Dieu, tu dois créer. Quand tu es Dieu, tu dois transformer. Quand tu es Dieu, tu dois appeler à l'existence ce qui ne l'est pas. Quand tu es Dieu, tu dois transformer. Quand tu es Dieu, tu dois faire la différence des hommes. Or, toi et moi, on nous a donné un élément pour pouvoir le faire. C'est le nom. C'est le nom. Et ainsi, vous avez beaucoup de versets qui peuvent vous accompagner. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez et vous le verrez. Alléluia. Le même nom nous dit quoi? Il n'y a de salut sous le soleil en aucun autre nom que dans le nom de... Le même nom va loin. Il nous dit encore, voici les miracles qui accompagneront. Non, voici les signes de Bonzambé. Alléluia. Voici les signes de Bonzambé qui accompagneront. Ceux qui auront crié à mon nom, ils feront quoi? Ils feront des choses que les hommes, les humains ne peuvent faire. Alléluia. Ils feront des choses que l'homme dans la chair ne peut faire. Ces choses, c'est lesquelles? Ils chasseront les démons. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront. On leur donnera des breuvages mortels. Ils prendront, mais ils ne mourront. Voici les miracles. Voici les signes de Kibonzambé Nangai. C'est clair. Nous devons voir les signes de Kibonzambé Nangai. Oh, il y a quelque chose qui me passe à l'esprit. Je vois un autre frère Pierre et un autre frère Jean qui se rendent au lieu du culte. Ils n'avaient rien. D'une manière générale, comme la plupart des pasteurs, nous n'avons rien dans nos poches. Peut-être un peu pauvres. Nous attendons que le peuple de Dieu nous bénisse. Alléluia. Ceux-là se rendent au temple. Arrivés à l'heure de la prière, ils trouvent un homme infirme à l'entrée du temple. Cet homme les regarde. Il lui demande une chose. Il demande quoi? De l'argent. Les deux amis se retrouvent devant une situation humainement impossible. C'est un infirme qui est là, qui demande l'argent. Pierre fait ça, je suppose. Il tire comme ça. Il n'y a rien. Alléluia. Il va à gauche. Il parcourt, il tire encore comme ça. Il n'y a rien. Il regarde à son frère. Tu n'as rien dans ton histoire là? Il dit, mais tu sais que tout ce qui restait, on a acheté le pain. Moi, je n'ai rien. Alléluia. Non. Pierre réalise qu'il n'a pas du cash. Alléluia. Alléluia. Pierre réalise qu'ils n'ont pas du cash. Ils ne sont pas la Banque mondiale. Ils ne sont pas Procrédit. Ils ne sont pas BIC, FBN. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas une quelconque institution financière. Ils n'ont pas du cash. Dans les poches, c'est vide. Mais ils avaient plus que le cash. Alléluia. Ils avaient plus que le cash. Le cash qu'on leur avait donné
pour vivre les bons Zambé. Pour vivre les bons Zambé. Pierre, la Bible dit que Pierre et Jean, de même Jean, ils regardent cet homme-là. Ils disent, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aïe, au nom de, lève-toi et marche. Tikama kamwabi senga senga. Comment mon toko tambola? Tala bonzambe yangwana. Sorry. Alléluia. Alléluia. Tala bonzambe yangwana. Nanzela nini? Yakombo. Ma soeur, tu as ça. Tu veux vivre le bonzambe, tu l'as. Ce n'est ni l'eau, ni la bougie, ni le mouchoir, ni ma veste. Ça n'a rien de tout cela. J'ai un nom. J'ai un nom. C'est avec le nom que je peux appeler à l'existence ce qui ne l'est pas. Et ce faisant, je démontre au monde le bon Zambé de Saint-Zambé là. Aïe! Autant de versets vous connaissez. Quoi d'autre? Rien n'est impossible à celui qui croit au nom de qui? Bon, c'est un autre verset, monsieur. Supposons à Ekimi. Toujours avec les noms. Quel autre verset? Hein? Vous l'avez. Quel autre verset? Hein? Ah, la Bible va encore loin. Il dit, c'est ainsi qu'il a été élevé au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, dans les ciels, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchisse. Tout autre nom puisse fléchir. Toute autre dénomination, une quelconque maladie, une quelconque possession, c'est un nom. Alléluia. Mais toi, tu as un nom qui est au-dessus de tout nom. Christ n'est pas allé à côté. Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Alléluia. Je leur ai fait connaître ton nom. Le nom, je l'ai fait connaître auprès du peuple que tu m'as donné. La divinité de Jésus. C'est à nous de le vivre et de le faire expérimenter aux autres. Alléluia. Ils doivent comprendre. Donc, on a pointé que le bien, nous avons le nganga boye pour la nini. Au banga les cambote. A taba yebisio que non, les cambouangueza, les colo et les qui. Mais avec la maîtrise, tu sais gérer les choses. J'ai dit, oui, mais je ne suis pas. Je sais ce que je fais. Je les gère à un nom. Nous, nous avons la chance, non, la grâce d'utiliser ce nom. Dans la Bible, il y a des enfants, les sept enfants de qui? Les sept fils de Séva. Ils pensaient que le nom de Jésus, là, c'était une potion magique, une formule abracadabra. Alléluia. Et ils se sont aussi amusés de chasser un peu les démons. Parce qu'ils avaient vu un certain Paul qui chassait les démons. Alléluia. Et ils se sont dit, mais pourquoi ne le ferons-nous pas aussi? Ils ont commencé à chasser les démons au nom de Jésus que prêche qui? Paul. Je suis bien content qu'ils les chassent. Mais eux, ils n'avaient aucun lien avec ce Jésus-là, comme vous et moi ce soir. Nous avons un lien direct avec le Seigneur par la nouvelle naissance. Nous l'avons accepté. Ces enfants-là ont été tabassés, malmenés, dépouillés de leurs vêtements. Parce que les démons étaient clairs. Ils ont dit, hey, les Paul dont tu parles là, nous le connaissons parce qu'il nous menace à un certain nom qui fait vivre au monde la divinité. Chers amis, t'as là. Tant que vous avez la prière, vous avez la tenue de Moutouaza. Azo nimba. Ne dit mutozo lala. Peut-être le lobe batanga sou ba témoignage de. Ngana tanga témoignage ya Emmanuel Amos, na tanga na témoignage ya bien-aimé Lisungi. Alléluia. Ils ont démontré à travers leur témoignage comment quand des petits groupes de gens qui ne représentaient absolument rien, quand ils criaient seulement au nom de ce que eux étaient en train de faire là, étaient paralysés. Alors j'aimerais que toi tu sois armé de cette foi-là ce soir.
tant que vous allez comprendre là, alléluia, tant que vous allez comprendre là, dis-toi que ce que Jésus est en train de le dire, ce que Jésus est en train d'exécuter, ce que Jésus est en train de prononcer en ce nom-là, je ne viens pas moi, non. Alléluia. Vous savez, pour que vous puissiez m'accepter, vous m'avez accepté au nom des hommes de Dieu ici. Si eux ne m'avaient pas donné l'autorisation, vous ne m'auriez pas accepté. Alors nous avons déjà l'équitus d'aller, alléluia, de chasser les démons, d'imposer silence, de déloger les principautés, de déloger toutes les dominations. Et quand nous disons dans la prière, Ndeko, transformons des choses en son nom. Amen. Amen. La divinité de Jésus se révèle ou se matérialise à travers le nom que nous avons reçu de Jésus. Ce soir, dites-vous que vous avez quelque chose de précieux. Peut-être que vous négligez. Alléluia. Peut-être que vous faites croire que vous négligez. Mais prenez conscience que ce que vous dites, si vous croyez en ce que vous dites, vous le verrez s'accomplir. Et rien ne peut vous empêcher. Alléluia. Si vous donnez l'ordre, vous le verrez s'accomplir. Si vous chassez les démons, vous le verrez s'accomplir. J'ai discuté une fois avec un ami. Il est un chercheur de sciences. C'est un blanc qui travaille pour le compte de la Banque mondiale. Il me disait, Alain, moi, je ne crois pas vraiment que Jésus, là, tel que vous le dites, hein, il est venu vraiment des dieux et il peut être Dieu. Je lui dis, alors, toi, tu crois en quoi? Il dit, le problème avec moi, c'est que je ne crois en rien. Je dis, oh, tu ne crois en rien du tout. Il dit, oui, moi, le problème avec moi, je ne crois en rien. Moi, je suis un scientifique. Je voudrais que tout soit démontré par AX égale faire la démonstration. Je dis, ah bon? Je dis, mais alors, autour de nous, par rapport à tout ce que nous voyons ici, comment tu peux expliquer cela? Il dit non, il y a une théorie des astrophysiologiques, quelque chose comme ça, ceux qui sont physiciens, ce n'est pas moi, la théorie des Big Bang. Vous connaissez, n'est-ce pas? C'est à partir de cette théorie-là que le monde a évolué pour être ce qu'il est aujourd'hui. Je dis, bon, toi tu crois, c'est dit, oui, ça au moins c'est, ça peut être prouvable à travers les énoncés de certaines personnes. Je dis, ah bon? Toi tu crois que le monde est venu par une explosion, la boum, et les choses ont évolué. Nous, nous sommes partis des singes, alléluia. Nous avons évolué jusqu'à nous relever. Tous les poils qui étaient sur nous sont tombés, curieusement, et pour occuper cette forme. Je lui dis, alors pourquoi ça s'arrête seulement à nous, on n'évolue plus? Il dit, c'est là mon problème, je voudrais démontrer. C'est toi tu vas démontrer, il dit, c'est pourquoi moi je dis je suis un scientifique. Mais il s'avère quand même que nous sommes la dernière des étapes, après nous il n'y aura plus d'évolution. J'ai dit, ok, tu crois au Big Bang? Il dit, oui. Le Big Bang, c'est quoi? Il dit, c'était une explosion. Je dis, alors maintenant, dis-moi maintenant, cette explosion-là, elle est venue par elle-même ou bien il y a eu une force? Il m'a dit non, il y a eu une force, certainement qui a fait que ça puisse faire quoi? S'éclater. Je lui ai posé la question, dis-moi cher ami, maintenant qui a donné cette force-là? Il dit c'est là le problème. J'ai dit non, ce n'est pas là le problème. Si moi je te comprends dans ta théorie de Big Bang, alléluia, c'est lui qui a donné cette force-là que toi tu ne connais pas. C'est celui-là mon Dieu. Il dit ah non, allez, j'ai dit non, mais parce que toi tu crois à la théorie, alléluia. Moi, je te dis alors, accepte ta théorie. Mais comme tu ne connais pas celui qui a donné le coup de main, alléluia, pour que cela puisse exploser, je t'informe que c'est celui-là, mon Dieu. Je lui pose la question. Est-ce que tu peux connaître une œuvre sans auteur? Ce costume, il a existé par lui-même. Le sac de maman ici a existé par lui-même. C'est qu'il y a eu quelqu'un qui a conçu le sac et qui l'a fabriqué. Ainsi, c'est lui que toi, tu ne connais pas. Les dieux créateurs, là, il a conçu le monde, il l'a agencé. Et après l'avoir agencé, il s'est matérialisé, il est venu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, Dieu. Il dit, Alain, ça commence à devenir intéressant. Je crois que tu finiras par me gagner. J'ai dit, c'est ma prière.
Alléluia. C'est ma prière, je voudrais te gagner. Toi, tu gagnes beaucoup d'argent de la Banque mondiale. Moi, je voudrais te gagner au Seigneur. Je lui dis, d'ailleurs, c'est Dieu qui a permis qu'on puisse se rencontrer ici à l'Est. Il dit, toi, tu vois partout Dieu. J'ai dit, mais dis-moi alors, comment ne pourrais-je pas voir partout Dieu? C'est Jésus. Il est parti avec une bonne impression. Il a dit, Alain, tu m'as séduit, mais je vais encore réfléchir. Il dit, ne réfléchis pas. Moi, je vais prier pour toi et tu vas comprendre. Alléluia. C'est le nom qui est capable d'appeler à l'existence ce qu'il ne l'est pas. Alléluia. Le deuxième point rapidement, après nous allons prier pendant un temps. Nous allons lire un texte dans 1 Jean 5, le verset 19 au verset 21. Je sens qu'on va prier et que l'Esprit de Dieu va faire des choses à travers vous. Alléluia. Et que ce soir, vous sortirez avec des réponses concrètes. Vous vivrez des choses grandes qui démontrent la divinité de notre Seigneur. 1 Jean 5, de 19 à 21. Vas-y, cher ami, comment tu t'appelles? Je m'appelle Rémi. Tu t'appelles? Rémi. Rémi, vas-y, frère Rémi. 1 Jean 5, verset 19 à 21. Nous savons que frère, nous sommes. Frère, prends, lis clairement. Que tout le monde te suive bien. Ok. 1 Jean 5, verset 19 à 21. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Zongela 21 na ndenge nazali kolinga na no comité. Zongela na 21 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné quoi? L'intelligence. Il nous a donné quoi? Oh, d'une part, il nous avait donné le nom. Alléluia. Mais ici, il nous donne quoi? Mais l'intelligence, c'est pour qu'on fasse quoi? Pour connaître le véritable. Pour connaître qui? Pas un véritable, le véritable, l'original, le tout spécial. Oyo ya solo. Ma maman a biso balata ka super wax ba yebi. Atana miso ko kanga ko simba boya lubi ezana lisière te. Les anguillisières, ou les assosso. Alléluia. Artango aussi m'a l'habité, ou les indoulukables, les ayangote. Pour me sortir de ma foute, il y a l'amba, ou véritable, ou y a solo. Et si on nous dit que le Fils de Dieu est venu, il ne nous a pas donné, en dehors du nom, il m'a donné autre chose. Il m'a donné quoi? L'intelligence. Pour que moi je fasse quoi avec l'intelligence? Connaître le véritable. Que je connaisse le véritable. En d'autres termes, que je vive selon le véritable. Que j'expérimente ce qui est véritable. Et il continue dit encore quoi, cher ami? Et nous sommes dans le véritable. Ah bon? Alléluia. Donc, à travers l'esprit ou l'intelligence qu'il m'a donnée, je suis finalement dans ce véritable-là. Oh! Je ne suis pas ailleurs. T'as la bonne kanga ailleurs, t'es. Et ce véritable nous a donné quoi? L'intelligence. Pour que nous puissions réellement connaître ce véritable-là. Termine, mon cher ami. C'est lui qui est le Fils. C'est lui qui est le Dieu. Sorry. En son nom, et nous sommes dans le véritable en son nom, Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Rémi, il y a tout le faux temps à bien. Nous avons pas mboulayo. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous et moi, nous sommes déjà, alléluia, dans le véritable. Comment? En son Fils. Oh! Mais c'est le même Fils-là
que le monde ne puisse pas discuter. C'est le même fils qui est le Dieu véritable. Point bas. Il m'a donné l'intelligence. Voilà. Mayele on zamba pesion. Ezali mayele o yayo ya classe T. Il y a ba distinction. Ogo zalonga na sana nga ba 80% mayele ya koyeba ya solo nzambe. Pe koyeba le fait que oyebi nzambe okoki kobika ndenge nini bon nzambe wana. Alléluia. Parce que ce qui tokeina que chaque espèce est produire espèce nango. Alléluia. Manga epesa nini? Manga. Safu epesa nini? Mutu abota nani? Nzambe pe akobota nani? Akiko changer te. Donc mayele wana comme si na c'est que le quoi na comme na le véritable oyo mayele c'est que ngai pe na za nzambe. Et déranger yo. Bon, nous trouvons amen na malembe boy. Vous assurez amen na ngaité. Ou alors sortir pour wangani la parole de Dieu doit être anéantie. Parce qu'on dit afin que la loi ne puisse pas être anéantie, que chaque espèce produise son espèce. L'animal, animal. Le chien, le chien. Le manga, le manga. Le safu, le safu. Le moutou, le moutou. Le nzambe, le nzambe. Moi, il y a une démonstration, il y a une mathématique. Il y a une le véritable appel à qui ils sont. Oyo te comme renouvelé par l'intelligence. Tu comprendre certaines choses que le monde ne peut pas comprendre. Ngayale, je suis un esprit, je suis Dieu. Et je peux vivre aussi les bons ambés par rapport à cette position-là. Je dois l'assumer. Alléluia. Soit tabanayo, fanda na yenandaku, ata ola kisye ko lobanglais, akokomaka mwana te. Akotika lobe, taba. Ata olingi mwana yo ndenge nini, oh c'est ma caniche, c'est ceci. Elle sera toujours caniche. Ata oli sanga biloka ya ba supermarché, akotika la kaka, mbwa. Alléluia. Alléluia. Mais Nzambe Nangai, quand il me prend moi, il m'engendre. Mais comment voulez-vous qu'un Dieu engendre l'humain? Hein? Vous êtes fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux vivants. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe. Vous êtes les fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux vivants. En psaume 82:6. Ça, c'est par l'intelligence que nous avons reçu de notre Seigneur. Jésus leur a dit, mais parce que j'ai dit que je suis Dieu, et vous voulez me lapider. Alléluia. Je termine par un texte et puis nous prions. Je termine par un texte. Dans l'église, on dirait tango nango, et ça la avance par rapport à ma seconde moussous. Vous n'avez jamais constaté comme moi? C'est comme si les minutes de cette église vont plus vite que les autres minutes que moi je connais. Alléluia. Amen. Je reprends les gens là. Je vais les lire rapidement. Les gens, nous allons lire Jean 10. Jean 10 là. Je pars à partir du verset 34. Et puis rapidement nous allons terminer. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Hein? N'est-il pas écrit? Mais comment vous lisez des choses que vous ne comprenez pas? L'intelligence que moi je vous apporte doit vous faire comprendre. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alors, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais même, si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez, reconnaissez que le Père est moi. Alléluia. Le Père est en moi et que je suis dans le Père. La Bible dit, là-dessus, ils cherchèrent encore à les lapider, à les saisir. Christ a dit, c'est une vérité, une chose qu'ils ne pouvaient pas supporter. Il s'est échappé. Mais vous, à cause du Saint-Esprit, vous pouvez supporter cette vérité à travers l'intelligence
que l'Esprit de Dieu vous a accordé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La divinité de Jésus. Christ est Dieu et il nous l'a démontré lui-même et les Écritures nous l'ont démontré. Nous, nous pouvons aussi vivre cela. Dieu est Dieu pour que nous puissions vivre. Christ est Dieu pour que nous, nous puissions vivre qui divinité one. Alléluia. Et il nous a donné des éléments qui peuvent nous aider à vivre la divinité. Le premier élément que nous avons abordé, c'est quoi? C'est le nom. Alléluia. Il a dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Et partout, à travers ce nom, qu'il va nous donner ce pouvoir de la divinité, nous pouvons changer beaucoup de choses. Des deux. La Bible nous montre en 1 Jean 5, 20, que le véritable est venu. Il nous a donné l'intelligence. Alléluia. Pour connaître le véritable. Je ne parle pas de l'intelligence, il y a classe. De l'intelligence, il y a sens, il y a koye, bako, soso, la comprendre, nani ozali. Alléluia. En tant que nani ozali, et sengeli obi kayango. Et la Bible nous démontre que non. Nous déjà, par cette intelligence-là, nous sommes dans le véritable, en son fils. Oh. C'est même bien lui, le fils-là, qui est le Dieu véritable. Nous pouvons le vivre. Nous pouvons le palper. Nous pouvons le sentir. Nous pouvons le partager. Parce que lui, en tant que Dieu, il a engendré un autre Dieu qui est appelé à vivre la divinité que lui. Alléluia. Et ça, personne ne peut vous ravir. Tu peux me ravir tous mes biens. Mais là, le nom là, alléluia, le nom là, tu ne peux pas me les ravir. Tu peux me ravir tous les biens. Mais l'intelligence qu'il m'a donnée là, pour connaître les choses en cette dimension-là, tu ne peux pas me les ravir. Ça, c'est à moi, c'est collé à moi. Et avec ça, ma famille, ma maison, mon église vivra la divinité de notre Seigneur à travers moi. Amen. Nous allons nous tenir debout, on va prier. Komboyo, 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 ya Yesu. Komboyo, 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 ya Yesu. J'aimerais que tu réalises. Que tu réalises. Ce que tu es. Et ce que tu peux faire avec le nom. Réalise-le. Komboyo, komboyo, réalise-le. Komboyo, ya Yesu. Komboyo, komboyo, Komboyo e utana lola e Komboyo e Komboyo ya Yesu e Komboyo e Komboyo ya Yesu e Komboyo lobiko nanga Komboyo lisekwa nanga Komboyo Komboyo e Komboyo ya Yesu e Que tu dois utiliser.